Salut, c'est Clément. Je suis actuellement à un super parc d'attractions qui s'appelle Fuji Q, qui est au mont Fuji. Vous pouvez peut-être voir derrière, mais je vous montrerai d'autres segments vidéo où on le voit. Et dans cette vidéo, je voudrais parler des deux moyens pour moi de réussir un couple. Et j'ai choisi de plutôt penser à faire cette vidéo ici parce que vous voyez qu'ici, il y a plein de grands 8. Et le couple, c'est un peu le grand 8. C'est un peu la même chose. Il y a un peu des moments où. Donc tout est doux, tout est léger, puis après tout part en sucette et puis tout revient léger. Il y a forcément des moments comme ça. Même si la majorité du temps est doux, il y aura forcément des moments où il y aura un gros retournement, là on a la tête à l'envers, etc. Et je pense que c'est ces moments-là qui sont les plus déterminants, non pas dans le moment même, mais donc comment vous réagissez autour de ce moment. C'est-à-dire, il y a une crise, tout le monde en a. Si vous avez des bases solides, ça passera beaucoup plus facilement. Si vous avez des bases fragiles, cette crise va s'ancrer et après le moindre petit truc va régénérer des angoisses et régénérer des angoisses, régénérer des cris, etc. Ce qui va amener une situation de plus en plus compliquée jusqu'à ce qu'elle devienne intenable et que pour un petit truc, en apparence dérisoire, tout saute. Et du coup, pour moi, les deux manières, les deux possibilités pour réussir un couple, c'est soit que vous ayez été extrêmement, j'ai envie de dire chanceux dans la sélection, chanceux parce qu'il y a forcément des choses que vous ne pouvez pas connaître, et que la personne soit tellement, qu'elle vous corresponde tellement que vous arrivez à gérer ses hauts et ses bas sans problème. Et l'autre possibilité, c'est que vous ayez développé les compétences pour gérer les compétences pour gérer ces moments hyper difficiles. Et ça va réclamer que vous soyez capable de rester ouvert, d'être engagé, de vous engager à rester dans la connexion, quoi qu'il arrive. Ok ? S'il y a une crise, il faut pouvoir rester dans la communication, il faut pouvoir autoriser la communication. Et explorer le pourquoi, aller voir le monde de l'autre. Qu'est-ce qui, dans le monde de l'autre, l'a fait déclencher cette crise? Vivre ce que vous vivez comme une crise. Et c'est seulement à travers l'engagement à la connexion que vous allez pouvoir le faire. C'est-à-dire, en général, quand il y a une crise, en particulier nous les mecs, on a tendance à se fermer. Mais souvent, c'est le cas aussi pour les filles. Et là, ce qui serait important de faire, c'est de vous engager à rester ouvert, même si ça fait mal, pour avoir le temps de vraiment explorer ce qui génère de la colère chez l'autre. Ça peut être blessant pour vous, ça peut être dur, mais si vous vous engagez à vraiment rester ouvert, à aller écouter le monde de l'autre, là vous aurez plus de chances de comprendre quelles sont les vraies raisons de ce clash et donc d'aller les déminer à la source. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de Fuji Q. J'espère pouvoir vous en montrer d'autres de Tokyo. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pas mal.